Ça faisait très 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 longtemps que je n'avais pas fait 100 000 vues en 24 heures sur une vidéo. Hein. Ah, je tiens à le dire. Et vous pouvez pas savoir à quel point je suis ravi que vous ayez kiffé la vidéo que j'ai sortie dimanche dernier sur ma chaîne. C'est un format que j'ai adoré faire. En plus, maintenant, tu vois, j'ai réussi à trouver quelqu'un sur Lyon, Alex, le gars qui est déjà venu filmer la vidéo cuisine avec ma petite sœur. Et il déchire ce type, il m'a réussi à me sortir ce décor là et puis à m'aider au niveau du montage. On travaille l'un à côté de l'autre comme ça, tu vois. À des moments, on se regarde, on a envie de s'embrasser. Non, on va éviter de partir en couille. Non, plus sérieusement, du coup, c'est quelqu'un qui me filme, qui fait le montage à côté de moi et je l'aide à faire un petit peu tout ça. Donc ça me permet de vous proposer des contenus un peu plus IRL, un peu plus cool. C'est le feu. Et sachez que ces contenus-là, maintenant, le rendez-vous, ce sera le dimanche. Ce sera le dimanche. J'ai envie que sur ma chaîne, il y ait des rendez-vous fixes. Le vendredi, Best of Radio Street. Le dimanche, contenu un peu plus IRL en tout genre. Et vu que ce format marche bien, bah, j'hésiterai pas à le refaire. Et puis entre lundi et jeudi, eh ben, ce sera des vidéos un peu plus gameplay, bah, comme par exemple aujourd'hui. Ils ont sorti, du coup, ce matin, assez tôt, à 8h, ça change des 19h. Le remake de Hard Hat sur Modern Warfare aux 30 Go pour ramener deux nouvelles maps plus mettre des armes dans le goulag et toujours pas la duo. La duo elle va jamais arriver. Hein. La duo vous savez c'est comme le pack e-sport sur Ghost hein, ou le Loch Ness. C'est quelque chose genre on va en entendre parler de génération en génération. Tu savais qu'avant il y avait de la duo. C'est comme Mew à Carmin sur mer derrière le putain de truck là. Il n'existe pas. Donc voilà, donc j'espère qu'un jour ils se sortiront les doigts du cul et qu'ils écouteront pour nous sortir la duo. Mais en attendant, il y a Hard Hat, j'ai envie de découvrir. C'était pas ma map préférée. Sur Modern Warfare 3, je suis obligé de l'avouer. Bref, j'ai lancé une game. Vous voyez, c'est en train de charger là. Non, je te jure, regarde, c'est en train de charger. Donc c'est parti. Et on est parti sur Hard Hat, mes amis. On est parti sur Hard Hat. Le remake, le retour de la map des Modern Warfare 3. Ça fait plaisir. Bon, c'était loin d'être ma map préférée de Modern Warfare 3. Hein, je tiens à le dire. On va dire que Modern Warfare 3 avec des maps un petit peu plus qualitatives que fucking Hard Hat qui était sympa, mais pas dingasse non plus. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, surtout avec la communauté Modern Warfare, on va dire que Hard Hat, c'est une map qui va peut-être nous faire un petit peu hurler. Pour la simple et bonne raison que c'est une map qui, parce qu'il y a dessus, tu vois... Ah, ah, j'ai pris des balles de je ne sais pas où, secours. Ah, l'aide. C'est la merde, 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 je suis dans un coin, je suis dans un coin, je campe. Non, c'est bon, je campe pas. Ouf, 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 ce que tu viens de prendre, toi. On fait demi-tour, on se casse. On se recharge, on se remet bien, on se remet bien. Ouais, c'était pas ma map préférée, c'était une map sympa, mais c'est tout, tu vois. C'était pas la dinguerie, je suis pas là, waouh, à trop le feu, tu vois. Mais ça fait plaisir, la gestion des contenus sur Modern Warfare, surtout quand je vais en privé, tu vois, que je regarde le nombre de maps qu'ils ont ajouté le tout gratuitement. Et quelques mois après la sortie du jeu, bon, c'était pas parfait à sa sortie, mais ça a quand même été globalement bien amélioré. Donc kudos to Activision, même s'ils sont foutus de notre gueule. Et je pense notamment, bah, je viens un peu de l'archer dessus pour le mode dur. Hop, hop, allez, on va les agresser un petit coup. Hop, on va aller en haut, donner les médailles, c'est le mode dépôt, hein, c'est de l'élimination confirmée où tu vas poser les médailles. Regarde. T'as vu comment je suis trop intelligent? J'ai tout posé pour mon équipe, cousin! Hop, petit drone. Allez, on se met le petit drone, même si je sais qu'il y a fantôme au-dessus. Hop, encore, on est bien, on dépose la médaille. As. Aïe, il y a un gars qui m'a vu là-bas. Il y a un gars qui m'a vu, je vais essayer de le brain, regardez. Il est là, à peu près. Non, il est sur... Il est surtout au-dessus. On t'a entendu, cousin. Ah, dommage! T'as vu, la situation était de tension, je savais qu'il était là, il savait que j'étais là, c'était un petit peu tendu. Donc oui, vous avez surtout devant vous, là, un mec qui est content de pouvoir jouer agressif sur Modern Warfare, là, comme ça. Là, je game, là, tu vois, tu te dis bien que c'est pas ma première game, là, sur Hard Hat. En fait, Hard Hat, le truc, c'est que tu mets Hard Hat X communauté Modern Warfare, tu te doutes que ça arrive de partir en couille, parce que la communauté Modern Warfare, ou la community Call of Duty dans son ensemble, là, on va pas se cacher, aime être un petit peu dégueulasse, et donc, du coup, Hard Hat, c'est une map qui correspond parfait à ça, qui correspond parfaitement à cette volonté d'être dégueulasse parce que tu peux bien camper, il y a beaucoup de coins, beaucoup de head glitch, beaucoup d'endroits, de choses qui permettent d'assouvir ce style là, donc tu vas péter un boulot. Et c'est pas mon premier essai de vidéo là, hein, depuis tout à l'heure j'essaye, et il y a des moments je suis tombé sur des équipes, mon frère, elles font péter un boulot, ils importent Warzone sur le multi, mon frère, ils sont là avec leur classe gros RPG, alors je dis pas, la gros elle est bien, la RPG aussi, je peux comprendre, moi aussi j'ai joué avec, hein, on va pas, tu vois, j'ai pas à reprocher aux autres un truc que moi-même j'ai fait, mais au bout d'un moment, frère, les mecs ils abusent, ils jouent d'une façon, t'es là les gars. Arrêtez d'être freeze up comme ça, ils sont en grève du rush en fait, c'est ça. Ils sont en grève du rush. Grève de joystick ghost, tu vois, c'est des grévistes gros.
Ils ont confiné leur joystick gauche, donc ils peuvent pas courir en fait. C'est pas de leur faute, les types, tu vois. Mais bon, voilà, à part ça, ça me fait plaisir. Mais vous avez surtout un mec devant vous qui est frustré de pas pouvoir courir normalement ou marcher normalement. Ça fait 24 heures que je marche en canard, mon frère, c'est un enfer. En fait, pour la simple et bonne raison que moi, j'ai un pote à moi, et ce sera d'ailleurs une de mes prochaines vidéos, qui est coach sportif privé sur Lyon. Et donc il a accès à une salle, tu vois, et donc moi je peux y aller, j'ai déjà repris des séances de sport avant que l'ouverture des salles officielles. Bon, je sais, je suis un privilégié, hein. Vivez la vie de Zach Nally, vivez la vie de YouTuber, c'est fantastique, hein. Je vous souhaite de faire des vidéos, bref. Et donc du coup, ça faisait 2 mois que j'avais rien fait, mec. J'ai fait une séance haut du corps classique, une séance jambes, le tout en faisant le ramadan. Ouh, mon gars, c'est... Ah, crois-moi que là, gros, je marche en canard, j'ai l'air mal, hein. Lui, j'aime bien, lui. Lui, j'aime bien ce petit, lui. J'aime ce petit, comment il arroche. Lui, je l'aime pas, mais j'aimais bien son pote. J'aimais bien son pote. Un. Deux, monsieur. Et il y en a un troisième là-bas. Si cette grenade touche, c'est magnifique. Elle a pas touché, tant pis. Bon, on va ramener des petites cups là, d'accord. En fait, je sais que ça va arriver en face de moi, donc je vais faire demi-tour. Regarde, on va aller jouer le jeu, on va aller jouer l'objectif, tu vois, le beau jeu, tout ça, tout ça. En fait, je sais que ça va arriver en face de moi, donc je vais faire demi-tour. Oula, ce qui s'est passé est dramatique. En fait, t'as des gros puces de sang, mais c'est dommage que ce soit pas des scores stricts, tu vois. Wouhou! Petit doom! Ouf! Failli crever, monsieur, j'ai failli crever. On va se mettre un petit drone, on est bien, on est sur une petite série. Elle me fait plaisir là, cette petite map là. Cette petite game là me fait bender. On va essayer d'aller voir c'est quoi les bails par ici. Oh là là, il y a un hideaway glitch. Oh là là, ils sont deux avec glitch. Ils sont deux avec glitch, c'est dégueulasse. En fait, le truc c'est quand ils sont avec glitch, t'as pas le choix. C'est soit t'avances comme ça. Oh là là, mon dieu. Oh, encore derrière, merde. Quand ils sont avec glitch comme ça, c'est imbattable, mon frère. En fait, t'es obligé d'aller faire un grand tour, tu vois, de faire comme une sorte de trottine. De trottiner, tout ça, c'est absolument horrible. Oh non, j'allais te tuer. Non, j'allais pas le tuer. On va pas mentir, j'allais pas le tuer. Regarde la kill cam finale. Oh là là, il a réussi à s'enfuir. 24-5, petit gameplay sympathique, ma foi, non? Je suis avec Lapin Rose. Lapin Rose, j'aime bien ça. C'est un pseudo de coquin, ça. Ça, c'est les mecs, c'est les petits coquins, ça. Ça, c'est les amateurs de pied, ça. J'aime beaucoup ça. Oh, nous sommes officiellement le mardi. Mardi 18, 19 ou 20 mai. 19, parce que demain, j'ai une vidéo. Une visite d'appartement parce que je déménage bientôt, ça me fait plaisir. Je déménage avec ma meuf, j'ai jamais déménagé avec une femme jusque là dans ma vie. Et sachez que j'appréhende, j'ai peur, je sais pas comment ça va se passer, les gars. En plus là c'est le déconfinement et tout, ça me fait plaisir, moi. Bon, j'ai pu revoir une ou deux fois mes potes, j'ai pu, tu vois, sortir un petit peu tout en respectant bien sûr le masque, les gestes, etc. Et ça fait quand même du bien au moral. Oula, 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 c'était chaud, il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de... Regardez, hop. J'ai pas posé la récompense. Petit drone, ça arrive en face. Eh oui, monsieur. Eh oui, monsieur. Les fins gourmets de ce pays, monsieur. Moi, j'aime le caviar. Moi, je mange des sandwichs avec du steak et du saumon. Putain, parce que j'ai un pote à moi, il a fait un sandwich steak saumon. Après, il se plaignait d'avoir mal au ventre. Et bon, je vais pas trop parler de bouffe parce que moi, hier, j'ai fait une exception. Enfin, j'ai pas fait une exception, j'ai fait une radia. J'ai fait une radia, je suis parti tôt. Oh là 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 là, je suis chaud aujourd'hui, je suis chaud. Pas se le cacher, je suis chaud. Tu sens que le rebeu est ténébreux. Le rebeu est ténébreux, mon gars. Hier, ma sœur, au ftor, donc bon, vous savez ce que c'est le ftor, hein, je vous l'ai présenté, j'ai fait une vidéo dessus quand même. Ma sœur, elle a fait des éclairs au chocolat, elle a fait un tiramisu fait maison à la pomme avec du café et tout ça, machin. Elle a fait des crêpes arabes, ça s'appelle des barrés, je vous jure que j'ai mangé peut-être 200 grammes de sucre. 200 grammes de sucre, crois-moi que là, aujourd'hui... Aujourd'hui, je me sens bouffi. On peut dire bouffi, le mot bouffi, tu vois. Je me sens bouffi, I feel bouffi. I feel bouffiac, tu vois, carrément. Oh, j'ai eu peur. Je sais pas qui savait que j'arrivais. Oh, on est bientôt au drone amélioré. Bientôt, drone amélioré, bientôt. C'est chaud. On va camper un petit peu. Si j'ai le drone amélioré, ça énervait. Je suis en train de faire une sale game, là. I feel bouffi, I feel bouffiac. Ils sont où, les ahuris, là? Oh, j'ai failli choke. J'ai failli choke, monsieur. Zach ne choque pas! Zach ne doit pas te choquer, c'est pas pareil. Je n'aurai jamais mon drone. Et j'ai 7 médailles sur moi, je les pose pas. Et voilà, drone amélioré, monsieur! Et drone amélioré, monsieur! Regardez comment on est bien! Regardez comment on est bien! On est bien ici ou pas? On est en train de faire une sale game, les gars. Je suis en train de faire une sale game pour vous présenter Hard Hat. Il est où? Oh, il a disparu! C'est ça le drone amélioré, mais c'est nul!
Mais c'est nul le drone amélioré, sa mère. Je m'attendais à voir. C'est le premier que je débloque de ma vie. Oui, je sais, 8 mois après la sortie du jeu, c'est le premier drone amélioré. C'est pas top, mais c'est le premier que j'ai. Je pensais que c'était un Blackbird, 12 kills pour ça, frère. C'est trop nul. Je pensais avoir la direction des mecs en direct, tu vois. Je suis déçu. Let's go. Bon, je crois que vous pouvez quand même remarquer que... Ah merde, j'ai enfin réussi à régler mes paramètres. Donc vous avez enfin un gameplay sur PC qui est de bonne qualité. Bah, ça fait plaisir, hein, avec un i7-9700 et une 2080, il était peut-être temps de vous proposer autre chose que du gameplay flou du bled. Vraiment, la dernière vidéo que j'ai proposée sur Modern Warfare, elle est bien. Et la qualité du gameplay, honteuse. Hein. Ah, honteuse. Hein. Ah, j'ai gros le dazzle. Hein. 2007 style. Hein. Chaud, à la recherche des ennemis. Allez, c'est parti. Nous avons silence de mort. Silence de mort, super. Je devrais aller poser des médailles, je le sais. Mais malheureusement, je suis animé par le kill. Vas-y, attends, c'est quoi, on va les poser. Oh, oh. J'ai eu trop peur, sa mère. Mon dieu. Il y a un joueur américain qui avait montré qu'à longue distance, tu mettais moins de balles pour tuer avec la MP5 qu'avec la M4. C'est à ce moment-là que j'ai compris, tu vois. C'est à ce moment-là que mes sens se sont éveillés et que la vérité m'est apparue devant les yeux, tu vois. La MP5, laisse tomber, gros. N'importe quoi, gros. Je perds pas mes duels. Aujourd'hui, vous avez le droit à un sac d'exception, gros. C'est magnifique. Yihi. Yihi. 65 vents, on les a déchirés, hein. Regardez-moi ça. Ça, c'est du duel, ça. Ça, c'est la scuff, ça. Ça, c'est la scuff, monsieur. 26-4, voilà. Bon, on est à peu près sur des scores qui sont équivalents, les amis. Bon, voilà, les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Pour ma part, on se retrouve à peu normalement après-demain. Et je vous dis à la prochaine, les frères. Bisous.